Acte. Je t'exoute. J'espère que je vais m'emmerder, hein. Alors j'ai lu le manuel à midi du jeu, in English. Ah, ce sont ces nouvelles. Ah bah je vais me faire un plaisir de les lire. Merci, merci. Bah déjà, si elle arrive à se connecter, c'est plutôt bon signe. Comme elle appréhendait son opération de fin juin là sur l'épilepsie. Oh mon dieu, j'ai encore les carreaux de lunettes dégueulasses. Attendez, je vais essayer de les nettoyer discrètement hors caméra. Écoutez-moi, être de lumière, et entendez mon message. Voici Ars, qui fut jadis une cité comme tant d'autres, étendant ses fiers bâtiments sous la majesté du soleil. Notre roi Poxélis était bon et juste, et savait contenir les escarmouches que nous infligeaient les gobelins et les hommes rares. Bien des années après la mort de Poxélis, en la fatale année 226, notre soleil commença à décliner et un hiver éternel s'installa sur notre monde. Sa Majesté Lonshire, digne fils de Poxélis, décida de faire migrer toute la cité d'Arx sous terre dans une ancienne mine naine. À cette occasion, tous les conflits entre les races d'Arx s'estompèrent. Humains, nains, mais aussi trolls et gobelins furent unis pour une même survie. Cette migration dura 5 années, pendant lesquelles le soleil disparut complètement de nos cieux. Toutes les races s'aménagèrent des lieux de vie dans ce nouveau cadre, et petit à petit les relations entre tous sont redevenues celles qu'elles étaient par le passé. Mais aujourd'hui, le mal est à nos portes. Agba, le dieu de la destruction, est sur le point de... Oh ! Vous, là-bas ! Par ici, dépêchez-vous ! Ne le laissez pas s'échapper ! J'ai fait comme un rat ! C'est bon, ici, les... Allez ! Défoncez-moi cette fois ! Ils ont de l'humour, hein. Il y a des vannes dans le jeu. Il est fait comme un rat. C'est pas comme si c'était un homme rat. Il y a 2 personnes qui étaient affiliées à faire les vannes dans le jeu. C'est vous dire. Alors, il y a 10 niveaux de magie. Chaque niveau de magie, il y a plusieurs sorts. J'ai vu que là, je démarrais avec le premier à générer du feu. Et ben, je vais vite apprendre le contraire, c'est-à-dire la négation du feu et en éteindre un. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, j'arrivais entre guillemets au deuxième niveau. Là, je dessine quelque chose d'indécent. Voilà. Vous n'avez rien vu. C'était mon échauffement. Avec je place la souris. Alors, où suis-je? Les créatures peuvent vous entendre. Marchez silencieusement pour vous essayer de jeter un objet. La créature s'est attirée par le bruit provoqué et ira voir ce qui se passe. Notez que l'icône de furtivité apparaît dans le coin à gauche de l'écran lorsque vous vous cachez. Ah ben, ils m'ont vu. Voici le mort. Nya. Nya. Toi te battre comme petite gobeline. Quoi? Moi me battre comme une gobeline? Ouais, ouais, qui c'est qui essaie de me fuir lâchement, là? Tu veux que je t'épile plus proche que ça? Moi, je vais faire de tes roubignoles un collier. Nah, t'avais qu'à pas me mal parler. Oh le peureux, viens ici. Viens mourir si t'es un gobelin. Oh l'autre. Mais il est nul.
Alors, vous avez quoi comme... Oh, il joue aux cartes, et... Oh, les feignasses. Et ça passe son temps à jouer, c'est scandaleux. Oh. Eh, sympa les plumards. Ah, le trouillard qui me fuit. J'ai quoi? Vous me direz, j'ai pas d'armes. Je n'ai plus d'armes. Merde, j'ai pété ma dague. Carte à jouer. Ah, je pourrais peut-être les revendre. Non? Vraiment? Oh. Je suis déception. Je peux pas me servir de la torche qui est au mur. Non, elle est vraiment fixée. Oh, c'est dommage. Oh. Gobelin pouilleux, là. Il y avait rien sur lui. Une torche. Bah oui, je veux bien en faire usage, pardi. Quand même plus sympa qu'on voit mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé là? Ouais, il y avait une peau au mur. Ah, le coffre. Ah, torche. Une gemme. Waouh, confisqué. C'est mon butin de guerre. J'allais dire, toi, faire un 2-3 soleil, idiot. Tiens, viens là. Ah, je crois que c'était un piège. Je suis déception. Et toi, buggé. Voilà. Toi, je vais t'allumer ta tête, toi. Allumer sa tête. Merde, comment on fait? Ah, ben j'ai allumé la torche au... Allez, à la main, je me bats à la main, allez, viens! D'accord, il est débile à ce point! Mais je lui ai fait une prise de judo! Je lui ai chopé la jambe, je l'ai retourné, le mec il est mort! Oh mon dieu! Oui, je vais la garder pour moi, la massue, parce que s'il vient de m'enquiquiner, au moins j'aurais du répondant. Mais ils sont des tatouages ou c'est bizarre, c'est symétrique. Je me demande si ça a une signification. Mais c'est nos salles de cellules de prisonniers. Ils l'ont clôturé, ils ont fermé avec du métal du coup, c'est plus du bois de chiottes. Ah, ils ont réparé ma cellule du début. Ou alors, c'est des cellules similaires Attends. Parce que je suis tombé, je suis remonté, donc je suis bien au même endroit, non? Ouais, là, il y a un os. Que je vais peut-être prendre, d'ailleurs, parce que c'est quand même un... Ça reste une arme. Ça reste une arme. Ça peut servir. Ah oui, la torche, allume-toi, magie du démon, je t'invoque pour te réallumer. Alors, on n'attend pas Patrick? M'en parle pas, bonjour Elogir, j'espère que tu vas bien, alors que je m'amuse comme un petit fou à faire l'apprenti magicien.
Putain, il y a presque une porte, ce mur. La ligne à la verticale est presque parfaite. Oh non, ma torche, elle est déjà utilisée, elle est bouffée. Mais ça va trop vite, heureusement que j'en ai deux. J'avais fouillé ce gobelin mort. Je suis pas... Ah oui, non, non, il avait rien sur lui. Salut tout le monde. Ça va, tu souffres pas trop de la chaleur, ça va monter en puissance. Ah oui, des champignons. Je me souviens même pas qu'il y avait des champignons, dis donc. Alors, important pour la chimie, hein, les champignons, ou la bouffe, tout simplement, il faut rien négliger. J'ai vu dans le manuel du jeu que les nénuphars que j'ai chopés permettent de concevoir des potions de soins. Donc ça ne se refuse pas. Ça ne se refuse pas. Ah oui, c'est mes barreaux pétés du début. Ouais, c'est bien ma cellule de départ quand je suis... J'ai été fait prisonnier et que je me suis évadé. Ça va. Bah j'étais mou en début d'après-midi. Et je me suis décidé à lancer mon direct parce que j'avais pas assez de force pour faire des tâches ménagères ou de l'administratif. J'ai dit bon, tant pis, je jouais mollement. Puis finalement, les heures passant, je vais de mieux en mieux. Donc, tant mieux. Oh merde! Ah! Il m'a vu! Au secours! Au violeur! Non! Et puis lui, c'est un gros! Allez, judo! Double dommage, allez, dans ta face! Chez de la boxe! Ding ding ding! 350 kilos à ma droite! Non, mais ils sont en carton ou en pâte là ou quoi? Mais le mec, il a quasiment des gantelets de fer. Moi, je suis à poil, à main nue, et je les défonce. La chaleur rend mou, yep. Ouais, malheureusement, ouais. Mais c'est le début d'une longue semaine où tout le monde va cuire, malheureusement. Ah, fiole d'eau et miche de pain. Ah, je lui vole son casse-croûte au champion gobelin, là. Moi, j'aime bien être mou. Moi, j'aime bien être mou. Comme un caramel au beurre salé. Wouah, ce dédale. Il faut que je fasse gaffe en me promenant comme ça joyeusement parce qu'il y a des pièges. Il y a des pièges dans ces corridors. C'est quoi cet étage supérieur? Oh là 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 là! Il n'y a plus d'un étage supérieur là. Merde. Je viens de perdre ma... Oh merde. Allez, viens de battre. Il n'y a pas réussi que je te mette ta correction. Allez, toi-même. Allez, va mourir. Non mais regardez-moi ces bandes de peureux, va. Trois coups de poing dans leur face et ils trépassent. Allez. Va mourir, toi. On voit que c'est le début, hein. Je serai moins le malin dans une heure. Ah, ah, une torche. Quel bonheur. C'est agréable. Oh, ce dédale. Mais il y a des trucs partout. Là, il y a une porte. Ah ouais. C'est la salle de torture. T'es qui, toi? C'est un champion gobelin. Tiens, dans tes roubignoles, allez, dans tes roubignoles. Ding, ding, ding.
Elle est où la sonnette? Tu te bats comme une gobeline. Ouais, et bah entre nous deux, excuse-moi, la fin de ce combat, la gobeline, ce sera... J'ai rien dit, excusez-moi monsieur. Commence. Ah. Elle est bonne, elle est bien bonne. Bon, bah c'est reparti. Tout ce que j'ai fait est à refaire. Joie. Allez, bande de nazes. En plus, j'ai ma dague. Mais non, je veux pas être discret, je veux les défoyer, mourir. Oh, cet assassinat. Toi te battre comme petite gobeline. Ouais. Je vais vous apprendre à mal parler, moi. Mais il va y rester ou Crotum? Oh, double dommage, magnifique. Manger ton cœur. Ouais. Allez. Viens pas ici que je te trucide. Oui, les combats sont étranges. Je reconnais que la dynamique des combats est trop étrange. Ah, je l'ai eu. Enfin. Par contre, ma santé est pas top. Là, je me suis moins bien démerdé que la première fois. Ah, là, il a de la thune. Ah, il y a un côté aléatoire. Il y a un côté aléatoire. Ouais, la merde. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Massue. Je pourrais presque m'en équiper. Ça, c'est quoi déjà? Ah, non, guérison de poison. Miche de pain. Une fiole de vin, je vais te bourrer. Que je tire les petits. Merde, j'ai des côtes de viande crue. Ah, si j'avais un feu. Je mange un peu de pain, mais ça augmente très légèrement ma vie. Ouais, je déclare que je préfère me battre à la massue que à la... Et l'autre, il est où? Il s'est barré en courant ou... Bon, il y avait la malle, souvenez-vous. Enfin, le coffre. Attends, je lui dis déjà que je veux tout prendre. C'est seulement une fois que j'ai pris, ce qui est logique, que je peux déclarer, je veux utiliser, voilà, une torche. Il est où le deuxième loustique que je lui fasse la peau? Oh, poireau. Poireau et fiole d'eau. Ah, il y a vraiment un côté aléatoire. C'est moi ou ma vie se recharge très légèrement? Mais oui. J'ai un don de régénérescence. Donc du coup, je vais rien manger, je vais juste attendre avant le prochain combat, quoi. De me refaire une santé. Oh, une arme. Même un os aussi simple et vulgaire que celui-ci peut faire toute la différence lors d'une confrontation. Je prends. J'ai pris. Allez, je le refais. Je sais allumer les torches. Ou pas.
Yeah, trop stylé. Ah, il y a lui aussi. Non, lui, il avait déjà été fouillé, il n'y a plus rien. Ah oui, les champignons, l'angle de ma cellule. Oh. Je ne peux pas négliger ça. Je n'ai pas le droit. Burke. Non, je peux pas interagir avec la dépouille. Ah merde, il y a le champion en même temps. Bah non, ça va pas. Ça va mal se finir, mon histoire. Eux aussi, c'est le bordel. L'autre, il piétine ses subordonnés. C'est vraiment le chef, y a pas de doute. Non, je vais mourir, là. À 3, hey, à 3 contre 1, là, c'est pas légal. Vous devrez avoir honte. Les gobelins, c'est vous. Bouh. Ayez honte. Ayez honte. Bon, j'en ai pas tâté un quand même. Mais fais la poule, faut que je recommence. Allez, c'est reparti pour un tour. Je finirai par progresser un jour. Je ne doute plus. Je suis en confiance. Bon allez, au lieu de dire des bêtises, je me prépare de la flotte et je bois parce que j'assoif. Ah non, j'ai plus d'eau. Faut que je me lève chercher de la flotte. Excusez-moi, pause de 2 minutes, je dois aller à mon évier me refaire une cruche de flotte. Est-ce possible? Est-ce possible? Un bon gros glouglou. Ouh. Ah, je finirais bien par y parvenir. Parce que si je vais par là-bas, il y a le grand chef gobelin et je vais me faire avoir, non? Attends, lui, il avait des trucs sur lui, par contre. Ouais, lui, il y avait le poireau. Et l'autre, il avait rien. Ici, là, j'avais mes champignons dans ma cellule, moi. Attends, je vais d'abord essayer de les patater. Ou de les gruger avant de... Je crois qu'il m'a vu. Merde. Lui, je peux me le faire. Voilà lui. Va mourir. Ah non, j'étais pas poursuivi, ça va. Oh l'autre, il appelle son supérieur. Dans l'animation, honnêtement, j'ai cru que je l'avais décapité en un coup. Ah, le petit con. Et l'autre, il est où?
Allez, viens te battre si t'es un gobelin. Il m'a maudit. Moi, ronger tes os. Et toi, te taire. Moi, couper ta tête. Ouh, qu'il a pas aimé. Ouh, ça l'a piqué. Joli. Alors j'ai pété mon os, mais je l'ai buté. Wouh. Alors surtout ne pas ouvrir la porte parce qu'il y a le grand champion qui dort. Alors là je gagne une torche qui va me servir. Lui il a quoi? Du vin? Oh c'est des poivrons ici, c'est pas possible. Ah, ça massue me plaît. Ça massue me plaît beaucoup. Ouais, si je dois me battre, j'aimerais bien avoir ces massues. Lui, il était à poil, hein. Il avait des mains, ouais. Alors, attendez voir. Je suis tenté de sauvegarder. Parce que là, j'ai progressé, là. Au moins, ce sera plus à refaire, mais... Je peux vraiment avoir moult Rix, déjà avec des petits Gugus, je peux les mater. Par contre, les 10 champions... Qu'est-ce que j'entends? Si toi là pour affaire, tu dois montrer autorisation signée par le chef et montrer patente négociant j'aime. Ah. Ah. Alors il est vrai qu'il y avait une pierre précieuse. Je l'ai pas sur moi? Non. Où est-ce que j'avais mis la main sur la pierre précieuse? Il est vrai qu'à un moment j'en avais récolté une avant de mourir. Et une autorisation? Il va falloir ruser. Ça c'est fermé. Là il y a le champion qui dort. Ça mène à où ça? Ah c'est un autre niveau? Non, non, ce sera pour plus tard l'autre niveau. Attends, j'ai des choses à faire ici, c'est obligé. Je trouve que les pas, les bruits de pas du héros sont étranges. J'ai presque l'impression, pardon, d'incarner une nana qui est en talon dans un supermarché. Oh merde, il m'a vu. Tu m'as vu, tu vas mourir. Et bah toi aussi. Et Maheu, je suis mort. Non, pas nouvelle quête. Je me suis trompé. Non. Erreur. Heureusement qu'on peut faire échappe pour une en arrière. Coucou. Ah, c'est terrible. Bonsoir, Tunsen. C'est... Voilà. Ça fait partie de la renommée du jeu. Il y a un mélange d'action, réflexion entre les énigmes, la stratégie par où passer, à quel ennemi se confronter. Le jeu va me donner du fil à retordre. Et à l'époque, je crois que j'étais arrivé aux deux tiers, jusqu'à bloquer une histoire d'énigmes avec des femmes serpents. Et j'ai abandonné par... voilà quoi. C'est toi là pour affaire.
dois montrer autorisation signée par le chef et montrer patente négociant que... Alors je rebouche chemin. Oui, là c'est la sortie du niveau. Là c'est, je sais pas ce que c'est. Là il y a un champion qui dort. Mais ah, si je fais mon discret, attendez. Furtif, on va dire. Tiens, j'ai cru de savoir, Arx Fatalis, tu connais Twinsen ou pas? Tu as joué, tu connais que de nom, parce que c'est censé quand même être un classique du jeu vidéo, que je sache. De la farine. Un poisson frais. Bah je lui dis oui. Oh, il y a de la potion. En air d'œil, il m'a vu. Alors, tu dormais que d'un œil, Saligo, va mourir. Yes, oui, moi je. Eh bah toi aussi. Tu penses que tu peux me faire mal? Tiens, dans tes pattes. Ah maintenant, je prends ta tête comme trophée. Bah, ne pas entrer dans cette pièce. Pas maintenant du moins. Moi, pas assez fort. Moi, rusé et aller voir ailleurs. Bon, j'ai deux petits larbins que je pourrais me... Et je crois que je vais aller me les... Joyeusement. S'enfuit. L'autre il fait du moonwalk sur place. Là il est bugué. Il est à moi. Ah, ils sont quand même résistants, hein, les salopios. Hein. Ah. Un autre gourdin. C'est bon ça? Quelques pièces d'or. Alors, le coffre. Ah, c'est le coffre qui détient la... Ah! Champion gobelin, merde, je l'ai pas vu. C'est le coffre qui détient la pierre philosophale, là.
Oh l'autre, il a fait de l'aide. Et toi, ah, merdoum, merdoum, crotoum, chiotoum, bordeloum, je suis dans la merdoum. Comment faire? Si je patate les petits, ça va, je les domine. Par contre, les champions me démontent. Ah merde, oui, il me course ce con. Et si je change de niveau, il me voit encore ou Alors je vais essayer de ruser avec le jeu et rendre abdisique le... Non, j'étais pas poursuivi, c'est une erreur. Amnésie absolue. A peut-être marché. C'est assez culotté, mais bon. Il a cru que j'ai continué tout droit, que j'ai pas pris l'escalier. Ça se tient, hein. Oh merde. Je vois un bras qui dépasse du couloir. Ouch. Sont spéciaux. Hein. Ah, j'y vois plus rien, j'ai plus de torche. Manger ton cœur. Merde. Voilà. Donc lui, j'ai... Ah, le gourdin qui est bon. Ah oui, visiblement le petit est parti. Donc attends, je peux aller les dépouiller au niveau du coffre. Voilà. J'utilise la torche. Je vais aller chercher mes champignons dans ma cellule. Depuis quand ils ont fermé la porte, eux? C'est nouveau. Il avait quoi, lui? Il avait rien? Non, il avait rien du tout. Là, j'ai l'os de la magie du démon qui m'intéresse. Attendez. Mais non, mais... Ah. Ah. Cueillette de champignons, s'il vous plaît. Merci. Oui, d'ailleurs, autant les regrouper, c'est vrai. Ce sera plus malin. Il était louche ton OS. Ah, il était louche ton os, oui, ouais. Aïe. Bah, j'ai... Yeah. Parce que ça le fait.
C'est trop stylé, je peux me la péter. Là aussi. D'ailleurs, par sécurité, je vais fermer la porte. Ça, j'aurai la paix. Yo, 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 yo. Mais le moindre détail, hein, il peut y avoir des trucs. Il peut y avoir de ces trucs intéressants. Il faut pas oublier que au fin fond des sous-sols, on a un mur fragilisé en pierre. Et il faudra revenir plus tard quand on sera suffisamment fort pour le péter. Sûrement moi par la magie, par rapport aux caractéristiques de mon perso. Attendez, je vais sauvegarder là parce qu'à mon avis je vais me faire démonter par le chef des gobelins là. Enfin le champion. Hop. Alors lui c'est le troll. Enfin c'est le minuche. Il ne reste pas moi un ennemi qui fait bobo. Backstab. Ça fait mal. Je sais pas qu'est-ce que le backstab, mais ça fait mal. Bon, lui, il avait de l'or. Ah bah ben non, ils sont 650 là, faut arrêter. C'est pas honnête. Non, c'est du 1 contre 1. Vous devriez avoir honte. Mais un jour, je les écraserai tous. Persévérons, persévérons. C'est poignardé dans le dos. Ah, merci. Je savais pas le backstab. Alors, je suis parvenu à le poignarder avec une masse à pic. Ok. J'apprends, j'en apprends tous les jours. S'il pouvait y en avoir qu'un seul qui pouvait me repérer, ça m'arrangerait. Ça, je les ferai à la chaîne, mais pas tous en même temps. Oh, je suis là. Si je passe très vite, ils me voient. Non, ils m'ont vu. Voilà, il y en a du monde. T'es qui, toi? Bon, autant dire que je suis mort. Sauf si je l'ai fait tourner en bourrique. Non, je suis cerné. Ah. Ah oui. Oh, cette scène est indécente. Ils sont à 4 contre moi. Il m'a pas vu, il m'appelle d'où? Humain,
vrai. Il y a des deux, trois petits bugs graphiques. Mais ça va encore. Ça reste jouable. Comment vais-je m'en sortir? Oh. Grande question. Alors, ce que je peux m'amuser à faire, que j'avais lu dans le manuel, c'est voir les touches de fonction. Il y en a 4. Une, on voit son profil. 2, on voit le livre des sorts. 3, on voit la carte du monde. Et 4, je sais plus ce que c'est. Voilà, là, on voit notre nos caractéristiques. Parlons. Livre des sorts. La carte du monde. On est au niveau 2. Ah, il y a 8 niveaux. Vache. Je crois que c'était au niveau 6 que j'étais bloqué, moi, dans l'histoire. Comment ça, le 1, j'ai rien de cartographié? Il se moque de moi. Il se moque de moi. Bizarre. Ah, puis ça, c'est le journal de... Oh. Qu'est-ce que je fais? Je rebouche chemin. Je retourne dans le premier niveau, voir au fin fond du sous-sol. Je vais peut-être trouver des trucs qui me manquent, je sais pas. Et là, la carte, elle me dit rien. C'était niveau 3 où je suis tombé? Ah, d'accord, on est proche de la surface en fait. D'accord, donc le 8, le fin fond du trou, c'est le diable, hein, laisse tomber. Ok, faut le voir comme ça. J'étais au deuxième et emprisonné au deuxième sous-sol, je suis tombé au troisième sous-sol. D'accord. Excusez-moi. Ah bah, il y a mon ancien compagnon de cellule. Un peu après que tu sois passé par le trou, j'ai entendu du bruit. Alors, je me suis caché. Et j'ai attendu que le gob entre. Cette fois-ci, c'est moi qui l'ai eu par derrière. Eh ben, bien joué, mon garçon. Bien joué. Le rat, j'avais pris ses... Ah, j'avais pas pris ses côtelettes de... C'est de la bouffe à faire cuire, de la chair de rat. Oh. Crâne. Ah, une herbe médicinale. Eh oui, je la récupère, l'herbe médicinale. Tu m'étonnes. Oh, un poisson. Un poisson frais en plus. La classe. Ah. Pardon, j'arrête pas de bailler. Ça y est. Je suis en phase de détente, ça fait du bien. Alors, on entend le crapaud, mais on le voit pas. J'allais par là, moi, ou pas? Pas l'impression.
Mémoriser un sort. Ah bah j'ai bien fait de revenir sur mes pas, j'avais très mal fouillé. Projectile magique. Le sort est maintenant mémorisé. Son symbole apparaît en bas de l'écran à gauche pour le lancer. D'accord. Double cliquer avec le temps d'action sur ce symbole. Ah ouais. Potion de soin, potion de guérison de poison, de la thune et un os. Oh cool. Cool, cool, cool. Le tabouret cassé ne me servait à rien. Ah, des côtes de viande cuite. Ah bah voilà. Je les retire, les... Le poisson aussi, je vais le cuire. Allez, poisson frais, poisson cuit. Au moins, j'aurai de la bouffe à donf. Allez, poisson frais, là... Merde, il y a trop de trucs sur le feu, c'est ça. Ça, c'est de la viande crue, allez. Va me faire cuire tout ça, zou. Là, 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 j'aurai plein de bouffe. La 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 la. Intérêt stratégique. J'ai un poireau, une carotte, des côtelettes de rat, du poisson cuit. On m'a fait une salade là. Manque que des pommes de terre et ouf, le bonheur. Alors, vas-y voir, poisson cuit. Et de 1, poisson cuit, et de 2. Attends, faut que j'arrive à... Ah, je peux peut-être pas les cumuler, ouais, pour lui c'est un abus d'espace. Alors cru, je peux les empiler, mais alors une fois cuit, c'est va te faire voir. Une jarre, on s'en moque de la jarre. Oh. Délire-moi la jarre. Ah, côte de viande cuite. Quoi d'autre? C'est bon, j'ai... Ah non, non, attends, j'ai vu un truc. Ah, encore des côtes de viande cuite. Mon rat burger, je l'ai enfin. Merveilleux. Sauvegardons tout ça, parce que je me ferai pas suer à recommencer. Voilà, c'est... Miam. Miam, miam, miam. Ce que je viens de me faire, trop bien. Alors, suite de l'exploration. Est-ce qu'il me reste une torche dans mon inventaire? Non. Je l'ai dans le fion. Excusez-moi du peu. Le mur dit instable. Ouais, mais les tonneaux, j'avais tout fouillé. Pas déconner, les tonneaux, j'avais tout. Ah, ce mur instable. Comment faire ? Ça cassera pas comme ça, merde. Mais Doom,
Mais donc, retum bordelum. Mon sort projectile, ça marche ou ça foire? Ça ne cassera pas comme ça. Trop solide pour moi. Ah ouais? Ça ne cassera pas comme ça. Et dans le livre des sorts, attendez. Alors, la police de caractère qui est très jolie mais beaucoup trop fine. Étincelle. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait. Oui, ben non, mais je le connais ce truc. Il est drôle lui. Été inquiré. Oh mon dieu. Je sais pas qu'est-ce que était une poivre. Ça fait peur. Ça fait peur et il peur. Aïe. Ça ne cassera pas comme ça. Ouais. Un jour je casserai ce mur. Un jour. Ah, j'ai dit étincelle. Ah. Oh. Et un poivre. Maillé. La chaleur fait des ravages actuellement sur toute la France. Nos cerveaux fondent, se liquifient. J'avoue, c'est horrible. Attends, dans le chariot de mine, j'ai rien loupé? Quand tu parles, on n'y voit rien. Là il y avait un rat mort, j'avais dépecé, bloc de pierre, crâne, torche. Tu crois que je peux prendre la pierre pour la lancer sur le mur? Ah peut-être. D'accord, j'ai le droit de ramasser le... Ok. Donc je prends la torche. Lui, on est bien d'accord que je l'avais bien fouillé. Oh non, ça va être ridicule l'histoire de mes pierres. Ça va rien m'apporter. Alors ce rat là, lui, est gentil, donc je lui fais rien. Ah, une fougère. Bonjour monsieur rat. Monsieur rat tout gentil. Donc je l'agresse pas. Attends, excuse-moi, je te passe devant. Oh, plus de torches. Merde. Il n'y en a plus de torches. Oh la vache. Cet endroit est d'un glauque. Vous pouvez disposer et aller couler un bronze dans votre couvre-chef. Yeah. Je suis pas collectionné les blocs de pierre, c'est ridicule quand même, si. Là, le mec débile. Ouvrez-moi, je suis innocent. La bombinette, oui. Et là, il y a le rat.
Ah oui. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir Dragonsky. Ah, bonsoir Dragonsky. J'espère que tu vas bien. Ah! J'ai déclenché un truc. Vous avez vu? Enfin, entendu? La plateforme s'est relevée. Il y a un mécanisme que j'ai libéré, là. C'est pas vrai. Oh ! Vlatipok, c'est pas vrai. Salutations. Nous avons le plaisir d'accueillir FanFan1992. C'est malin, ça. Mais oui, le test fonctionne. Bah, en général, c'était pour que vous saluiez les uns les autres. Alors évidemment, vous pouvez le détourner pour beaucoup de choses, mais je vous fais confiance. Ah ah! Ah 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 ah! Où vais-je mettre les pieds? Surtout que j'ai pas de lumière. D'ailleurs... Magnifique, il n'y a aucune torche, je suis dans le caca. Boulings. Ouais, je voudrais une torche. Fait trop sombre là-dedans. Pareil, combien qu'il y a des araignées. Pour peu qu'il y ait un piège, je suis mort. Eh, mais c'est un labo secret, ça. Une pomme, plat propre, une fiole de vin, une clé. Ah, une potion non identifiée. Je suis pas assez doué en alchimie pour un crâne. Une chaise. M'asseoir à la chaise, non? Un tonneau. Non mais... Vous êtes sérieux? Il n'y a rien au mur là que je puisse allumer? Ah, une torche, merci. Il n'y a pas de torche au mur? Pince de forgeron, tu crois que je peux allumer le... Merde. Ah non, je peux pas allumer le four de... Ah merde, j'ai allumé la torche qui était là. Oh le con. Un jeu d'outils, résistance... Ah, oh... Mmh. Eh bien, que de mystère. Nous avons une clé. Quand tu es dans le donjon. La propre. Blablabla. Quoi? Merde, vilain rat. Va mourir. Vilain rat qui m'agresse. C'est ça. Va voir ailleurs si j'y suis. Bouh. Alors attends. Là 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 là. Ces étranges potions. Une potion de soin. Mais il est revenu le petit con. Va me laisser, oui. Va mourir. Bleh. J'adorais le bleh. Potion non identifiée.
Je la confisque, j'irai l'identifier plus tard. Quand j'aurai un meilleur niveau en alchimie. Une pince de forgeron, ça peut servir ça? Non? Ah, j'ai pas l'air de la prendre, merde. Alors, je gagne une corde et deux miches de pain. Ça qui est bon. Alors, ce jeu que je t'ai offert, bien ou bien? Eh ben, grand merci à toi, mon cher Dragon Sky. Alors, pour tout avouer, je l'ai connu par le passé, Arc Fatalis. J'avais la chance de l'avoir en version boîte. Donc, ça traîne quelque part dans mes cartons de déménagement. Merci, t'es adorable, parce que je me souviens comment j'étais bloqué aux deux tiers du jeu à l'époque où j'y avais joué, qui était sa sortie d'ailleurs. J'avais la chance de me l'offrir à sa sortie, donc ça remonte à un paquet d'années. Et j'étais bloqué à une grande énigme dans un labyrinthe qui était tenu par des femmes serpents. Qui était balèze d'ailleurs, je me souviens, j'avais un mal de chien. Genre, quand j'étais en confrontation contre elle, bah, je mourais. Voilà, donc je redécouvre Arx Fatalis. Même le début, je m'en souvenais plus. Je me souvenais plus que c'était aussi haletant. Enfin, haletant. J'exagère. Mais si bien. Mais si c'est un régal. Sinon, il est vraiment bien. Il est vraiment bien. J'ai relu le manuel tout à l'heure à midi, le manuel du jeu. Il est riche, hein, ce jeu. Il est riche, ce jeu. Il a plein de contenu. Il mélange action, réflexion. La preuve, je suis revenu sur mes pas et j'ai découvert cette salle secrète via le mécanisme des dalles. Il faut vraiment rien négliger. Le mécanisme, je l'ai fait. Ça, je sais pas si un jour ça retournera un nouveau. Du coup. Merde, je sais plus où ça menait ça. Ah oui, le rat peinard. Oui, ça, c'est. Il n'y a plus rien ici, c'est sûr. Là, ça donne ici. L'autre intersection. Ah, le fameux mur. Ah oui, ça me plaît. Oui, merci. Si, c'est un régal. Merci tout plein. C'est un régal. Mais ma mémoire par rapport au jeu, c'est largement, nettement effacée. J'ai gardé l'image trauma des femmes serpents dans leur labyrinthe avec une énigme. Passé ça, je sais plus. J'ai un vague souvenir à un moment où j'avais la flip. Parce qu'il fallait que je me cache. Il y avait un ennemi dont je devais me cacher, je devais devenir invisible et c'était balèze. Mais après... J'ai lu tout à l'heure dans le manuel qu'il y a des marchands. Donc j'en ai pas encore croisé. Voilà. Sinon je me barre par le mécanisme.
Mon ancien compagnon de cellule. Ah, mais la petite clé, c'est la clé de la réserve. Je me trompe. Oh, que j'ai l'air idiot. Non. Attends, où est passée ma clé? Ah! Ne me dis pas qu'il m'a fait tomber la clé de l'autre côté de la porte. Non. Salaud. C'est dégueulasse. Non. Rendez-moi ma clé. Ah. J'ai plus la clé dans l'inventaire. C'est dégueulasse. Mais non, mais... Oh, ne me dis pas que j'ai droit à un bug aussi grotesque du jeu. Mais non, mais... Oh, j'ai plus la clé dans l'inventaire, elle est tombée au-delà de la porte. Bon, bah, faut que je recharge ma partie. Oh, je suis dégoûté. Oui, oh, tu sais, je t'avais offert un petit jeu de rien du tout, mais t'es adorable, hein, rien de t'obliger de me rendre l'appareil. Mais oui, je te cache pas que c'est apprécié. Oh, bah merde alors! Alors, je sais que les torches sont là, du coup. Voilà. Ah, il y a BBA qui me suit. Bon, bref. Alors, c'est reparti. Je prends ça. Je prends la potion secrète. Le rat ne m'enquiquine toujours pas. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai la clé qui doit être la dite clé de la 1. Ah, le v'là. Je l'ai entendu. Il est où le salopio? Ça c'est une potion de soin. Ça c'est tout de trousse de zigouillage de porte à mon humble avis. Ça c'est une torche qui va tomber par ma bêtise. Ah, j'ai gagné une pomme. Ce sera le dessert. C'est ça qui est bon. Là hop, tonneau. Je prends tout dans le tonneau. Miche de pain et la corde. Qu'est-ce que j'entends? C'est le vent dehors? Non. Calmos le rat. Le rat ne m'attaque pas. Ah, trop tard. Ah, ah, il voulait m'attaquer, mais... Je suis déjà barré. Alors, attendez, c'est par là-bas, je crois. Trompé, si? Attends, je sais plus. C'est par où que j'aille. Je suis perdu. Hello, elle vient d'où? Oh, j'avais pas vu, il y avait un poisson frais là encore. Oh là là. Ouais, bah dis donc, il y en a des choses. Non, le rat, je sais que je l'avais dépecé. Le rat, j'en suis certain. Ah là là, il y a mon copain. Alors, je sauvegarde et j'essaye de ne pas me faire avoir. Ce soir au dîner, Dragon Skype, des pancoufs, même bonne map, tout ça. Bah, bonne app avec ça. Eh oui, bonne app. Mmh,
Tiens, Miam, ça va être le nom de la sauvegarde. Voilà, fallait pas me parler de bouffe. Bon, alors, cette foutue porte. Dite de la réserve. Comment je fais, du coup? Non, j'ai pas le droit. Ah, d'accord! C'est une action de jeter la clé par... D'accord, ok. Ça aussi? Je balance tout. Ok, c'est bon à savoir. Donc parfois, on peut peut-être déclencher des trucs en balançant des objets par l'interstice de la porte pour peu qu'il y ait une dalle de l'autre côté et bloum, ça s'ouvre. Bon, là, ma bêtise fait que j'ai perdu mes objets pour ouvrir la porte. Tout va bien. Oh, le con! C'est ça que vous dites devant votre écran. Et vous avez raison. Ouais. Un jour j'aurai accès à la réserve, un jour. J'arrive pas à voir au-delà d'ailleurs. Eh, me bloque pas le passage, Trouduc. À moins que t'es là. Non, t'as. Oui, non. Monsieur Mankikin, là, c'est honteux. Et vraiment, j'ai pas la clé. Je suis frustré. Un jeu d'outils. Ouais, mais je sais pas crocheter les portes, moi. Ah, dommage. Dommage. Et fermer ça, ça débrouille pas là. Aucun rapport. Aucun rapport. Bon, bah, tant pis. Ouais, je vais me barrer à l'étage. Eh ben, j'ai bien fait de revenir sur mes pas, dis donc. C'est pas comme si je remontais avec les poches bien plus pleines. Et la porte de la réserve qui me résiste. Pardon. Oh la vache, par contre, le coup des torches, ça va vite. J'en ai encore une, mais... Oh, je sens que... Pardon. Je sens que je vais me ruiner toute ma thune, je vais la passer dans l'achat des torches. Histoire d'y voir quelque chose. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y avait eu. Ouais. Que je peux pas esquiver. Attends. Je peux pas aller dans mon inventaire dire que je veux boire. Oh merde, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de cliquer sur boire potion, ils m'ont déboîté. Mais ce qui est moche, c'est qu'ils sont 3 contre 1. Ça se fait pas. Oh. Ça se fait pas. Bonsoir, Jay.
Ils sont 3 contre 1. Alors, je peux ruser avec les bruits, mais je balance quoi, moi, pour les attirer? Ma fameuse clé? Ça les attire ou pas? Ah non, mais ils sont toujours aussi débiles. Bon, ça va tranquille, merci AJ. Ah, si j'ai que les deux petits, ça peut se faire. Ah, le scénario me plaît bien. Le dit champion m'a pas vu. Espoir, espoir. Ma ruse va peut-être fonctionner. Courage, j'en ai eu un. Victory. Comme dans Mortal Kombat. Ah, allez, soyons fous. Inaugurons une quatrième sauvegarde. Youpi, ça va s'appeler Victoire. Et Victoire des Weirus. Parce que c'est ça qui est beau. Alors, ils avaient quoi sur eux, les vilains? Lui, il était dépouillé. Et lui, il était... quelques pièces d'or. Et ben, avec ça, je vais pouvoir aller loin. Je vais attendre que ma vie se régénère, puisque j'ai cette capacité de résilience, là, littéralement. Et une fois que je serai revenu au top de ma forme, j'irai en découdre avec monsieur le champion gobelin. Ah, je me sens mieux. Par contre, le temps d'attente... je peux aller faire des fouilles ailleurs, hein, le temps que ma vie remonte. Promenons-nous dans les geôles. Ah oui, c'est la porte de la cellule. J'avais ramassé les champignons, je crois. Ouais, j'avais ramassé les champignons. Les champignons. Chance de nous. C'est belle, belle. Pour croire qu'on pourrait ramasser tout ça, mais non. Ça marche pas, cette partie du décor. Poireaux et les carottes, là. La journée décalée. La journée décalée. Bon, récupérons le gourdin. On prend toujours une arme en plus. Non, mais... ah oui, d'accord. Je la joue vraiment stratégie, attendre que ma vie se régénère et pas bouffer une potion ou de la nourriture, parce que je pourrais peut-être être dans un écrat critique ultérieurement, être dans l'urgence. Là, c'est pas le cas, j'utilise la ruse. Donc...
Mais sorti de ce couloir, le champion gobelin va mettre le grappin dessus et on va devoir s'en mettre plein la bouche. De manière très polie. Aïe, 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 aïe. Il est urgent d'attendre. Bon, allez. Je vais déjà sauvegarder, puis je vais faire une tentative, mais à mon avis, je vais me faire patater. Aux deux tiers de la vie, si j'arrive à vaincre le champion gobelin, je suis fort. Enfin, si le champion gobelin est encore là. Bah, il est où cet idiot? Il y a lui qui ne m'a pas vu. Bah, il est tourné à la sieste, cet abruti, ou c'est moi? Ok. Oula, il y en a des choses ici. Une note publique, oui. Fin du royaume gobelin. Ah. Ah, je vais chez quelqu'un d'autre. Intéressant. Ah, un jeu gobelin. Eh bah, confisqué. Ah merde, je peux pas. J'aurais bien aimé leur confisquer aux vilgredins, là. Attends, c'est un document ou c'est des outils, ça? Ah, c'est encore des outils. Ah, je suis pas en droit de les cumuler. Merde, mon inventaire commence à se... arrivé à sa fin là. Ah, c'est la miche de pain complète, d'accord. C'est même pas un morceau. Mmh. Et du coup... ah merde. Ah oui, c'est vrai que j'ai jeté une clé dans le couloir. Faut que je la récupère, au secours. Je voulais faire diversion, j'ai balancé la clé, moi. Excusez-moi, hein, je récupère la clé, vous n'avez rien vu. C'est moi, c'est Gérard, je suis parti pisser. Ah, ah, moi, non? Bah merde alors. Que je sauvegarde, attendez, parce que là j'ai pas compris. Oui, furtif, oui. Attendez, il y a un truc qui m'échappe dans l'interface du jeu. Là, le jeu me dit utilise. Hein, c'était à côté. C'est-à-dire déverrouille la porte avec un jeu d'outils. La question est comment je fais. Trop complexe pour moi. Ah bon? Trop complexe pour toi? Ah merde, il est trop con. Pour moi. Merde. Et la clé? Donc, la clé que j'ai trouvée, c'est bien celle de la réserve. On retourne à la réserve! La, 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 la. Je sens que ce jeu va me... le jeu peut être fait. Tunsen va me dire speedrun du jeu en 2h30. Moi, je vais vous le faire en 2 ans et demi.
C'est les mêmes valeurs, mais pas la même unité, vous voyez. Le guac absolu. Bon, bah, je vais aller voir mon copain au niveau de la réserve. Maintenant, je sais comment ça marche. Ah, alors. Salut, copain. On va à la réserve. Ah, j'aime beaucoup ce son. Alléluia, Sésame, ouvre toi. Tu as fait du Portal 2 aujourd'hui, oui, en solo. Alors, ça se conjugue au futur. C'est-à-dire qu'après Arx Fatalis, d'ici quelques minutes, je vais basculer dans Portal 2 pour en faire un tout petit peu. Je ferai 2-3 salles de test grand maximum, et puis j'y reviendrai peut-être demain, d'ailleurs, ce petit bout. Oh mon dieu, une pomme, une fiole d'eau, une fiole de vin. Oh, je suis riche. Non, je finis pas le live à minuit, tu plaisantes, fan. À 21h, j'aurais déjà rendu mon antenne. Oh, une dague, une torche. Ah, un rouleau à pâtisserie. C'est une arme. Alors, attendez, c'est une... Oh, merde. Attendez. Je peux cumuler combien de morceaux de miche de pain sur une même case? 4, ça m'arrange. Le rouleau. Ah, merde. Ça prend 2 sur 2 le rouleau en case de... Non, je sais pas, tant pis. Oh, du poulet, du poisson frais. Oh là 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 là. Extraordinaire. De la farine. Ah. Je vais pouvoir me faire du... Un seau. Oh. Merveilleux. Alors de l'eau, de la farine, je vais faire une pâte. Avec la pâte et le poulet, je vais me faire des pâtés au poulet. Hein, monsieur, vous en pensez quoi? Tu devrais y aller maintenant, Anne Chagar. Le speedrun est de 10 minutes. Ouh, c'est indécent. Ben moi, je mettrais 10 jours et 45 heures. Ah, et ben je suis heureux d'avoir pillé la réserve. Magnifique. Je présume que mon avantage... c'est l'observation et la fouille. Parce que la force bourrin, non, ça marchera pas. Mais la ruse et l'observation, ça va être... c'est ma qualité, on va dire, intrinsèque au perso que je me suis créé. Donc, il me faut la vraie clé de sortie. Alors lui, il m'a pas vu. Et lui, il dort dans son... Quoi? Oh merde! Ta gueule! Vous êtes deux! C'est honteux! Merde! Je vous battrai! Je vous maudis! Ah, j'essaierai une autre fois. Allez, on va basculer sur Portal 2. Mais sympa, l'Arx Fatalis, sympa. C'est un début correct d'aventure. On va pas se voiler la face. Ah oui, j'ai fait 1h30. On voit pas le temps passer. Hein. J'ai fait 1h30.